Donc elle, elle est là, tranquillement, elle fait des paris dans la rue, et après elle est vénère quand elle perd. Ça, c'est un truc de ouf. Alors, c'est quoi les paris dans la rue? Je ne sais pas si ça existe toujours, mais moi, je me rappelle à l'ancienne, à Clignancourt, il y avait toujours des gars là qui mettaient des gobelets là. Il y avait trois gobelets, après ils étaient comme ça. Après, dis alors, c'est où? Après, tu choisissais, tu disais, ah ouais, tu gagnais et tout. Après, quand tu commençais à parier un peu plus, moi j'avais mis un gros billet après. Parce qu'une fois que tu gagnes, il te met en confiance, tu vois. Une fois que tu gagnes, il fait. Tu fais là, ici! Ah, t'as tout perdu. Ça m'a servi de leçon. Moi, ça m'a vacciné. J'ai fait une fois, j'ai dit, ouais, non, c'est pas le genre de jeu. Non, je pense que là, voilà. Ben, elle fait ça, elle perd. Après, elle est vénère. Parce que du coup, elle avait parié sa Rolex. Elle est vénère de perdre sa Rolex. Et elle dit à son gars, comment ça se fait que tu n'as rien fait? Incroyable, incroyable, regarde ça. Tu la vois pas comme ça, tu dis oh là, elle est gentille, tu vois, elle est mignonne, tu dis elle est gentille. C'est pour ça, les gars, arrête d'y croire parce qu'elles ont des visages d'anges. Croyez pas que genre ça veut dire qu'elles peuvent pas perdre la tête. Donc là, le gars, il essaie de la protéger parce que en fait, t'as perdu en fait. Et elle est vénère, elle se retourne contre lui, quoi. C'est un truc de ouf. Patate, deuxième patate. Donc là, t'as compris, là. Là, c'est un truc de ouf, mon gars. C'est comme ça que les gars, ils perdent leur vie. Hein. Déjà, premièrement, pourquoi tu joues, déjà? Pourquoi tu joues dans les trucs dans la rue, là, tu fais des paris? Pourquoi tu joues? Et pourquoi tu paries ta Rolex? Et après, surtout, pourquoi quand tu perds, tu penses que t'es au-dessus de la loi? Ah, peut-être parce que c'est une femme. Elle s'est dit, je suis une femme, voilà, il n'y a pas de principe, il n'y a rien. J'ai perdu, mais c'est pas grave, j'ai pas perdu quand même. Voilà, c'est la magie. Voilà. Comme je suis une femme, je peux récupérer ma Rolex même si j'ai perdu. Attends, t'as perdu, il fallait pas jouer. Si t'as peur de perdre, ne joue pas. Voilà, hein, c'est la plupart de ce que... C'est ce que les gens font. Hein, ils lancent pas leur business, ils font rien. Quand ça se dit, je perds pas. Alors, en vérité, ils perdent, hein, parce que quand tu fais rien, bah, il va rien se passer. Donc elle est là, voilà, elle veut récupérer normal. Et après, elle est vénère après son gars. Donc ça, c'est vraiment le type de meuf dans lequel les gars... Faut esquiver. Elle peut être la plus belle, la plus bien physiquement, tout ce que tu veux. Mais gars, mais ça, c'est des trucs. Déjà, c'est bien qu'il n'ait pas réagi. Parce que, genre, j'avais entendu l'histoire de Balou. Ouais, je sais, je l'ai déjà raconté, mais je la raconterai à chaque fois parce qu'elle m'a traumatisé. Balou, qui avait raconté qu'il y a un de ses potes qui était mort. Parce que, genre, près de son jardin, je crois, il y avait un couple qui s'embrouillait. Et lui, il a voulu se sortir. Je crois qu'il est sorti. Il a voulu leur dire, ouais, les gars, allez un peu plus loin. Mais d'appeler la police. Hein. Il ne voulait pas appeler la police. Il a dit, vas-y, allez un peu plus loin. Tout ça, nanani, nanana. Genre, il voulait calmer les choses. Il voulait, machin. Et la meuf, elle a dit, ouais, tu nous laisses me parler comme ça. Et le gars, il est venu. Il a pris un fusil. Il a tué le gars. C'est comme ça que tu fais en prison pour rien. Parce que là, elle fait quoi? Là, elle fait tout pour pouvoir faire monter son ego, son orgueil, tu vois. Elle dit, ouais, t'es là, tu fais rien, nanani, t'es mon gars, tu fais rien. Attends. Normalement, le gars, son ego, il flambe et il signe un truc sur lui, gars, il va mourir pour rien. Ou il se fait tuer, ou il va en prison, quoi, parce qu'il a tué un gars. Ça, c'est un truc de ouf, ça. Il y a plein de bétails, voilà. Oui, comment ça? Après, il se retrouve en prison. Ah, mince. Pendant qu'elle est là, pendant qu'il est en prison, elle sera là-bas avec Gérard, Jason, en train de passer du bon temps, hein, pour rester poli. Donc non, les gars, évitez ce genre de meufs toxiques. Les meufs, elles parlent. Là, pour le coup, là, elles aiment bien parler de masculinité toxique, mais là, je pense qu'on est bon. Et ça, c'est le genre de meufs qui vont dire « Protect all black women ». Ah, ce seront les premières à dire ça. Alors, elles font n'importe quoi et après, faut nous protéger. Protégez-nous, les filles. Prenez les gars, plutôt. Non, ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais les gars, se mettre dans les difficultés. Tu vois, t'as une meuf comme ça, moi, ça, c'est fini. C'est terminé. Déjà, pourquoi tu joues et après, tu du machin? En plus, t'oses lever la main sur moi. Mais attends, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais tu rigoles, mais beaucoup de gars sont dans cette situation.
Beaucoup ils font genre, ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais chez eux, ils se font gifler. Beaucoup de gars sont dans cette situation, les gars. Ressaisissez-vous, connaissez votre valeur, arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Ce sera bien pour toi et ce sera bien pour elle. Parce que le fait qu'elle puisse te dérespecter, eh ben, ça fait que elle-même, elle n'est pas bien d'être avec un homme qu'elle peut dérespecter. Ça, c'est une réalité. Si tu vas aller plus loin par rapport à ça, les secrets de nature féminine, t'as Zeus en description. Bref, n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Si tu vas aller plus loin avec moi, t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même. Et après, t'as mon groupe évidemment, les 10% Zion. T'as toutes les infos en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.